إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idhnillah ta'ala, aujourd'hui, nous allons dispenser cette conférence qui a pour sujet comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Ça, c'est le sujet de notre conférence. Bi'idhnillah ta'ala, wa nasallallahu azza wa jal, at-tawfiq wa sadad. Dans les termes qui sont employés dans ce titre-là, il y a le terme protégé. Et le terme protégé, il englobe plusieurs sens. Parmi ces sens, la responsabilité. Parmi ces sens également, l'obligation. Car l'imam al-Bukhari le rapporte dans son authentique, fi bab ou fi kitab al-Jumu'ah, قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Donc on voit ici dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que chacun, il est responsable. Et l'homme, il est responsable de sa famille. Il est responsable de ses enfants. Et cette responsabilité, elle comprend la protection, c'est-à-dire le protéger du mal. Et cette protection, bien entendu, elle passe par at-tarbiya. Turabbi waladak. على الصلاح وتحمي من الشرور. Donc tu vas le protéger du mal et tu vas l'éduquer suivant les principes de la religion. Tu vas lui donner cette éducation qui est ta responsabilité. Et c'est pour cela que la personne qui va mourir, yamut warashum li ra'iyatihi, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui va mourir et il n'a pas pris en compte cette responsabilité, il n'a pas accompli cette responsabilité, alors Allah Azza wa Jal va lui interdire le paradis. Donc, on voit à partir de là que التربية و tout ce qui rentre dans l'éducation, dans la protection de l'enfant, etc. Yani pour ce qui lui est favorable dans cette vie d'ici-bas, pour ce qui lui est profitable dans cette vie d'ici-bas, c'est une obligation. Donc la personne, lorsqu'elle elle a des enfants, lorsqu'Allah Azza wa Jal yarzuquha awlad, fa yajibu alayhi an yurabbi awlada, an yurabbiya awlada. Ça, c'est une obligation. Ça, déjà, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de nos jours, de beaucoup de musulmans. Allah Azza wa Jal, il leur donne des enfants et malgré cela, il les laisse dans la rue. Il ne leur donne aucune éducation. Leur éducation, elle se fait dans la rue. Al-shari' yurabbi al-walad. Wallah al-musta'an. Et tout ce que cela va comprendre, bien entendu, de mal. La personne yabdhul al-juhud. C'est-à-dire il va faire tout ce qui est dans son possible pour éduquer son enfant suivant la bonne voie. Et ensuite, s'il a fait ses causes, s'il a accompli ses efforts, il n'est plus responsable ensuite de ce qui peut arriver. Car la guidée, avant tout, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Lakin al-insan yabdhul al-juhud. Il fait ce qu'il y a dans sa possibilité. Et si ensuite,
Allah Azzawajal ne guide pas cet enfant, donc il ne sera pas jugé par rapport à cela. Et si on regarde un des envoyés, et qui est Nuh, lui il a eu un enfant. Et comment un envoyé, il ne peut pas être responsable de son enfant. Certes, il a été responsable de son enfant, et il a fait sans aucun doute ce qui était dans sa possibilité pour l'éducation de son enfant. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal, mahadahu, Allah Azza wa Jal, il ne l'a pas guidé. Et il fut parmi al-halikin. Il fut parmi ceux qui ont été perdus. Il fit partie des gens du kufr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, yaqul, innahu amalun ghayru salih. Innahu amalun ghayru salih. Innahu amalun ghayru salih. Si on traduisait mot à mot, c'est un acte qui n'est pas bon, qui n'est pas valable, qui n'est pas salih. L'imam al-Kasa'i, il a lu Innahu amila ghayra salih. C'est-à-dire dont il a fait des actes qui ne sont pas. Ça, c'est une des lectures du Coran. Innahu amila ghayra salih. C'est-à-dire donc, il a fait les actes, ici c'est le verbe al-fi'l al-madi, amila. C'est-à-dire donc qu'il a fait des actes qui ne sont pas donc purs, qui ne sont pas vertueux. Et ici en l'occurrence, les actes du shirk. Yani ashraka billah wa kadhib. Fakana min al-halikin. Et pour ceux qui ont, et donc la récitation qui est répandue et qui est connue, les savants ils ont dit, innahu yarja ila, certains ils ont dit yarja ila al-walad. Innahu amalun ghayru salih. C'est-à-dire, avec tous les actes de mal qu'il a fait, tous les actes de shirk, tous les actes de mal qu'il a fait, il en a tellement fait que on l'a nommé par son acte, c'est-à-dire par la nature de son acte. Et d'autres qui ont dit, innahu amalun ghayru salih, ça revient à quoi? Ça revient à la question qu'avait posée Nuh lorsqu'il a demandé Allah Azza wa Jal par rapport à son fils. Faqal Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Donc certains savants ils ont dit c'est par rapport à cette question que c'était un acte qui n'était pas pur, le fait qu'il ait demandé, et une erreur le fait qu'il a demandé donc par rapport à son fils alors qu'il était déjà parmi al-halikin, il faisait partie déjà des gens qui étaient fi al-kuf ba'd taban al-hukm min Allah azza wa jal. Ça donc c'est pour ce qui est du terme protéger. Comment protéger nos enfants des groupes extrémistes? Ensuite, les groupes extrémistes. Qu'est-ce qui rentre dans les groupes extrémistes? Ici, ce qui est voulu exactement, ce sont en réalité, et plus particulièrement, Al-Khawarij et leurs semblables. Al-Khawarij et leurs semblables. Lorsqu'on les a cités, les groupes extrémistes, car les noms, ils diffèrent d'une époque à une époque. La base de leur Tasmiya, c'est bel et bien Khawarij, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors ce qui a été pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont eu d'autres noms. Parmi les noms qu'ils ont eu, Al-Haruriya, par rapport à une place qui se trouvait près de ou au Kufa, et qui s'appelait Haroura. C'est une place où ils se sont réunis, et donc on les a appelés par rapport à la place où ils se sont réunis. Mais ce sont des Khawarij, mais ils étaient connus pour être Al-Haruriya. Ensuite, il y a eu également Al-Azariqa. Al-Azariqa, ça c'est Nisbatan ila Rajulun Ismu Nafi' ibn Al-Azraq. C'est-à-dire donc quelqu'un qui s'appelait Nafi' ibn Al-Azraq et qui était à la tête d'un des groupes des Khawarij. Donc on lui a donné ce nom, Al-Azariqa, mais c'était connu pour être qui? Des Khawarij. Et ensuite, ils prennent des noms, ainsi de suite. De nos jours, ils ont été connus. Il y a quelque temps, bi al-Qa'ida, ils étaient connus comme étant min al-Qa'ida al-Khawarij, même s'ils ne sont pas tous les Khawarij, c'est-à-dire qu'il y en a encore d'autres en dehors de al-Qa'ida, mais ils étaient connus, ils prenaient ce nom, c'est-à-dire intashara, c'est-à-dire c'est répandu ce nom. Et aujourd'hui, c'est Da'ish, ce qu'on appelle donc Da'ish. Également, ce nom, aujourd'hui, il s'est répandu par leurs actes, par leur présence, par leur... tous les efforts qu'ils font fi ad-dalal dans l'égarement. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dit groupe extrémiste, c'est encore plus vague. Et ça va rentrer donc tous ceux qui sont parmi le Khawarij et qui sont
يعني leurs semblables qui sont avec eux في أفكارهم وأعمالهم والله المستعان. Donc ça c'est par rapport au titre, comment protéger nos enfants des groupes extrémistes. Pour ce qui est maintenant des causes qui font qu'un enfant il va s'égarer. Et comme on va le voir plus tard durant la conférence, on va s'apercevoir que, et pour maintes raisons, Haoula al-Khawarij, Haoula al-Da'ishiya, ils prennent pour cible les jeunes, et plus particulièrement également les filles. On verra pourquoi. Un des problèmes majeurs, ou une des causes majeures qui font que ces jeunes ils tombent dans leur filet, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. Et comme il dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, al-jahlu da'un qatil. Al-jahlu da'un qatil. C'est-à-dire, l'ignorance, c'est comme un mal, c'est comme une maladie, et qui provoque la mort. Da'un qatil. Wallah al-musta'an. Donc, il va avoir ici des causes à faire pour pouvoir protéger ton enfant et pour pouvoir dissiper de lui cette ignorance. Dans un premier temps, lui faire comprendre qui sont ces gens. Bien entendu, avant cela, on reviendra par rapport également Turuq al-Himaya, etc. On reviendra sur cela, lui apprendre bien entendu la religion, etc. Mais ici, lui faire comprendre sur ce point précis, et une facilité pour lui apprendre cela, c'est que dans la religion, depuis le début, depuis l'avènement de l'islam, jusqu'à nos jours, il y a eu des gens du bien, et il y a eu des gens du mal. Comme l'enfant, il lui est facile de comprendre ces notions de bien et de mal, et qui sont en réalité en conformité avec ça. Al-fitra. Donc souvent on lui dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Ne fais pas ça parce que c'est mal, fais cela parce que c'est bien. Ça c'est des mécanismes qui sont présents chez l'enfant de base. De même ici, par rapport aux personnes, lui faire bien comprendre que dans la religion, il y a des gens de bien, dans la religion, il y a des gens de bien, et il y a des gens de mal. Et que les modèles, c'est-à-dire le top dans cela, pour ce qui est des gens du bien, ce sont qui ? Ce sont les Sahaba. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite les Sahaba. Donc ceux qui ont porté cette religion. Les Sahaba, qu'ils connaissent donc les califs bien guidés. Que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali. Ensuite les 10, dont on leur a fait la bonne annonce du paradis. Ensuite les gens de Badr, ceux qui ont combattu à Badr. Ensuite les gens de Al-Shajara, ceux qui ont fait donc le pacte sous l'arbre. Ici, bien entendu, c'est dans l'ordre de yani de fable, du mérite des compagnons. Donc ils connaissent au minimum ces gens, et qu'ils connaissent ces sahaba, qu'ils connaissent donc leur vie, et ce qu'ils ont fait pour l'islam, qui ils représentent dans l'islam. Ça, c'est une base. Et ensuite, donc, les gens du mal. Et quand on va dire les gens du mal ici, tout de suite, on va venir donc al-Khawarij. Al-Khawarij, pourquoi ? Parce que en opposé aux Sahaba, et ceux qui ont fait le plus de mal dans cette communauté, ce sont les Khawarij. Et c'est ceux qui sont venus, la première secte qui est apparue dans l'islam. La première secte qui est apparue dans l'islam et qui a tué les Sahaba, ce sont Haoula al-Khawarij. Donc déjà, il faut lui donner à l'enfant cette notion-là. Des gens du bien, des gens du mal. Al-Salihin wa al-Talihin. Les gens de la Sunna et les gens de la bid'a, les gens de la sunna, les gens de l'innovation. Ensuite, lui expliquer que ces gens-là, les khawarij, qui sont venus donc au début de l'histoire de l'islam et qui ont été la première secte, ils ont montré des choses, déjà pour essayer de lui faire comprendre, dès maintenant, quelles sont les ruses qui sont utilisées par ces gens-là. Ils ont montré dans un premier temps qu'ils étaient plus jaloux que les sahaba de la religion. Ils ont montré qu'ils étaient plus jaloux que les sahaba pour leur religion. Ils ont montré également qu'ils avaient une compréhension qui était meilleure que celle des sahaba.
Ils ont également fait, fait une chose qui est ici essentielle à comprendre. C'est qu'à partir de cela, ils se sont éloignés des Sahaba et ils ont éloigné les gens des Sahaba. Il y a eu ici une fissure, un fossé qui s'est créé entre eux et les Sahaba. Et c'est ce qu'on verra ensuite de nos jours. C'est ce que font le Hawla, Daesh, ou le Khawarij. Sauf qu'ils le font, bien entendu, de nos jours avec ceux qui sont les héritiers des prophètes. Ils font de même. Et c'est le même usloub. C'est-à-dire donc qu'ils coupent le lien entre les savants et les jeunes pour profiter, eux, de leur ignorance. Ensuite, ils ont eu le mauvais soupçon, soit van, envers qui ? Envers les sahaba. Et ça a commencé donc par dire qu'ils n'appliquaient pas la loi d'Allah. Regardez, ils ont dit sur les sahaba qu'ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah. Donc qui va appliquer la loi d'Allah ? Auprès des khawarij, si les sahaba, ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah auprès d'eux. Qui va appliquer la loi d'Allah si les sahaba ne l'ont pas appliqué? Ensuite, ils ont dit également qu'ils gaspillaient l'amwal, l'argent. Pourquoi? Parce que le khawarij, en plus de leur croyance et leur balal, ils ont également une shahwa, un désir sur l'argent, sur les biens. C'est pour ça une faïda ici, qui a été citée par des gens de science, ils ont dit, l'imam muslim, rahmatullah alayh, il a rapporté les hadiths de Al-Khawarij Fibab Zaka, c'est-à-dire dans le chapitre de la Zaka. Pourquoi? Parce que le lien ici entre le Khawarij et leur objectif, c'est Al-Mal, pour l'Amwal, pour les biens. C'est pour ça qu'ils ont fait cette comparaison, les savants, ou ce lien entre le fait que l'imam muslim il a rapporté les hadiths des Khawarij, Fikitab Zaka, ou Fibab Zaka, dans son authentique. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite comme résultat de cela? Donc pour montrer, pour apprendre aux enfants, qu'est-ce que cela a apporté? Tout ce qu'ils ont fait, ces khawarij-là. Ils ont commencé à exciter les gens contre qui? Contre le calife bien guidé, Othman, radiallahu ta'ala, anhu. Comme cela est connu dans l'histoire. Mais il faut qu'ils le connaissent, cette histoire, ces enfants. Il faut qu'ils aient science de cela, qu'ils aient un minimum de connaissances de leur histoire, ça c'est l'histoire de leur religion. Donc ils ont commencé, Hawla al-Khawarij, à exciter les gens contre le gouverneur. Et en l'occurrence ici, contre As-Sahabi al-Jalil, ou le calife bien guidé, Uthman ibn Affan. Et ils ont dit qu'il employait dans l'État des gens qui étaient proches de lui, c'est-à-dire de sa famille, qu'il les mettait en priorité. Et ils ont été dire également qu'ils gaspillaient l'argent de qui? Des musulmans. Regardez sur quoi ils ont commencé à parler et à donc exciter les gens contre Othman. Othman, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu honte de lui. Il a dit, comment n'aurais-je pas honte d'une personne dont les malaïka, ils ont eu honte, yani par pudeur. Et également, lorsque il a préparé la bataille de Al-Usra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Othman est venu avec plus de 1000 dinars, yani pour aider fi al-jihad fi sabilillah, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire rien ne pourra aller en l'encontre de Othman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Après ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc ici, pour rappeler Al-Fadl de Othman depuis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commencé à montrer aux gens que ce qu'ils faisaient, c'était l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et là, on va voir également un point qu'on va ensuite développer qui est présent beaucoup chez Al-Khawarij et les gens d'innovation en général, mais surtout chez Al-Khawarij, et sur des termes bien précis, c'est-à-dire « yuwadhifun alfaz shar'iyya limuradihim al-batil ». C'est-à-dire donc qu'ils vont utiliser des termes shar'i, des termes de la législation, de la religion, mais qu'ils vont les utiliser et les faire comprendre dans un sens qui est propre à leur compréhension.
et dans eux ce qu'ils veulent faire comprendre, comme batil, comme faux bien entendu. Et ça, ils le font beaucoup. On va le voir également. Et ça, ça fait partie également de leur, yani de leur ruse. Ils ont fait pareil avec Othman ibn Affan. Lorsqu'ils ont commencé à parler aux gens, ils ont dit « Nahnu na'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ». Regardez ce que c'est pour l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa al-khuruj 'ala al-hakim. Wa al-khuruj 'ala al-hakim. C'est ça. Eux, pour eux, c'est ça l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Donc regardez comme ils ont réduit d'abord ce terme l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar et qu'ils l'ont wadhafu, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé dans un sens qui est batil, qui est faux. Et ensuite, on sait tous, et c'est ce qu'il faut également apprendre à nos enfants, c'est qu'ensuite ils ont tué l'un des meilleurs des hommes, des meilleurs compagnons, l'un des meilleurs compagnons. D'ailleurs, le troisième, après Abu Bakr ou Omar, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ils l'ont tué alors qu'il lisait son mushaf, après qu'ils ont assiégé sa maison. Wallah al-musta'an. Ensuite, la fitna s'est épaissie. Et ça a continué avec le quatrième homme, parmi les meilleurs hommes des Sahaba, et qui est Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, anhu. De même, ils ont fait une grande fitna autour de Ali, et ils l'ont tué. Les Khawarij ont tué également Ali. Regardez Othman ou Ali. Regardez les gens du bien et les gens du mal. Regardez ce qu'ont fait ces gens du mal. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants. Qui commence déjà à avoir cette distinction de Haoula al-Khawarij, de Haoula al-Da'ishiyah. Et celui qui a tué, bien entendu, c'est... Non ? Qui c'est qui a tué Ali ibn Abi Talib ? Non, quelle est la personne qui l'a tué, Ali ibn Abi Talib ? Non ? Man qatala Ali ibn Abi Talib ? Il a un nom. Là, alladhi qala li nabi sallam, i'dil fa innaka la ta'dil. Alladhi qatala Ali ibn Abi Talib, ma huwa ma ismu? Ma had yadhkur? عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل علي بن ابي طالب et après qu'il l'a tué et qu'il a fait la bonne annonce à ses amis les khawarij كانوا يكبرون ويهللون ويشكرون الله عز وجل. Regardez ce dalal, والله المستعان. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح qui était rapporté par Cheikh Albani dans sa Silsila Sahiha, qui est le hadith 1088. Il a dit Ashqal awwalin aqil an-naqa. Ashqal awwalin. C'est-à-dire, la plus malheureuse des personnes, c'est celle qui a tué an-naqa. Wa ashqal akhirin man yat'anuka ya Ali. Et ça, ça fait partie également de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il informe ici que Ali il va se faire tuer, il va se faire poignarder. C'est pour ça qu'il a dit dans ce hadith authentique wa ashqal akhirin man yat'anuka ya Ali. Et ensuite il a montré où il sera poignardé et tué par ce ashqal akhirin qui est Abdurrahman ibn Muljim. Wallah musta'an. Ce sont donc al-khawarij, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et il n'y a pas une secte qui a été mise en garde plus que la Khawarij, puis la Sunna, dans la Sunna authentique. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, il y a au moins 100 hadiths avec leurs versions qui ont été rapportées. Et plus de 30 hadiths uniquement dans le Sahihain, avec leurs versions. 30 hadiths uniquement dans le Sahihain. Donc ça en fait le plus de hadiths qui ont été rapportés pour mettre en garde contre une firqa. Pour mettre en garde contre ces extrémistes, ces khawarij. Et les versions, elles sont nombreuses. Et c'est également ce qu'il faut apprendre aux enfants, qu'ils sachent ces gens-là, et qui sont présents également de nos jours, qu'ils n'arrêtent pas d'être présents. Il a yom al-qiyama. Yaqra'un al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum.
C'est-à-dire ils lisent le Coran, ça c'est le wasf du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gosier. C'est-à-dire ici, kinaya, pour dire qu'ils lisent le Coran, mais qu'ils ne le comprennent pas. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, il disait, les Khawarij, al-Awwalin, les premiers Khawarij, ils essayaient de comprendre, ou ils lisaient le Coran, ils essayaient de comprendre le Coran, mais ils ne le comprenaient pas. Pourquoi ? Mawal Asbab, pourquoi ? Ils sont éloignés des Sahaba. Ils se sont éloignés des Sahaba. Ils ont essayé de comprendre par eux-mêmes le Coran. Et aujourd'hui, lorsque les jeunes ils s'éloignent donc, c'est sectaire, lorsqu'il faut éloigner les jeunes, ils coupent le lien entre les jeunes et les savants, pour qu'ils profitent de leur ignorance. Et pour qu'ils interprètent le Coran avec leur djel, sans qu'ils le comprennent réellement. Donc l'histoire, elle se répète. Yati fi akhir al-zaman, c'est-à-dire qu'il va venir donc dans les derniers temps, qawmun, hudatha al-asnan, des gens qui ont des dents qui sont encore fraîches, c'est-à-dire donc qui sont jeunes, des jeunes. Hudatha al-asnan, sufa al-ahlam, des gens qui ont yani un aql, qui ont une intelligence, une raison qui est faible. Ils sont loin d'être encore matures puisqu'ils sont jeunes. Il y a ni des imbéciles, des idiots. Yaqulun min khayri qawli al-bariyya. C'est-à-dire donc qu'ils vont dire la meilleure des paroles. Bien entendu, ils vont parler avec le Coran, mais avec leur djel. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Donc, comme la lance, lorsqu'elle est, elle est lancée contre le gibier, elle va rentrer, elle va ressortir aussitôt. Comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous pouvez vous essayer de vous rapprocher un peu, les frères. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « La yujawizu imanuhum hanajirahum » Même leur foi, donc, ne dépasse pas leur gosier. Et certains, donc, ils ont vu, on sait que la divergence des savants, est-ce que Al-Khawarij ou Kuffar Amla, ou même min Ahli al-Ilm Dhabu, il a takfirihim. Ça, c'est parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont mis en garde, et que l'on doit donc enseigner à nos enfants, pour qu'ils sachent quelle est cette firqa qui a tué Othman, qui a tué Ali. Wallah al-Musta'an. Et la preuve que cela était connu du temps des Sahaba, que cette secte-là, elle était connue. Une des preuves que les savants ils ont citées, il y a un hadith où il y a une femme qui s'appelle Mu'adha, elle est venue voir Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Elle lui a posé des questions. Et parmi les questions qu'elle lui a posées, donc des chouboua qu'elle avait, dans l'ambiguïté qu'elle avait, elle lui a dit à notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle lui a demandé pourquoi donc la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Qu'est-ce qu'elle lui a dit à ce moment-là, à Aïcha? Elle lui a dit, « Aharouriyatun anti ?» Elle a dit comme cela, « Est-ce que toi tu es une harouriya ?» Et directement elle a dit, donc Mu'adha, celle qui pose la question, elle a dit, « La ya umma. » Elle a dit non. Qu'est-ce qu'on va tirer de cela? On va tirer d'abord que directement Aïcha, lorsqu'elle a entendu cette chouboa qui est venue, donc cette ambiguïté, une ambiguïté donc qui était connue chez le Khawarij, donc qui connaissait leur sifa, c'était quelque chose qui était montaché, répondu. Directement, elle lui a demandé, Haruriyatun anti, directement. Donc il y a, elle lui a demandé si elle faisait partie de ce sinf. Et donc elle lui a répondu là, elle n'a pas dit c'est qui le Haruriya. Donc le Haruriya, comme on a dit, c'était donc le Khawarij de ce temps, et qui était nommé bil Haruriya, du fait qu'il s'était donc réuni à cette place, fil Kufa, qui s'appelait le Harura. D'où donc le nom qui est pris de cela. Donc on voit bien ici qu'elle savait qu'est-ce que c'était le Harouria. Donc ça prouve quoi? Ça prouve donc que cette secte elle était connue, que les Sahaba ils avaient mis en garde, qu'ils avaient donné leur sifat, etc. Donc c'était connu. Et bien entendu ensuite, Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a répondu là, elle lui a donc ensuite enseigné, elle lui a dit, Akada Umirna. Akada Umirna. C'est-à-dire ainsi
on nous a ordonné. C'est-à-dire ici, Turabbiya, c'est-à-dire qu'elle a éduqué, suivant donc Al-Amr al-Ilahi, elle lui a répondu avec Al-Amr al-Ilahi. Et c'est de cette manière-là que le musulman, il se soumet aux lois d'Allah Azzawajal, il se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant tout, parce que c'est sa ibada. Avant tout, parce que c'est son adoration. Et c'est son islam, c'est sa religion de se soumettre aux ordres d'Allah Azzawajal. Que tu connaisses Al-Illah dans ses adorations, tu ne les connaisses pas. Donc ici, elle lui a tout de suite donc enseigné et montré donc la voie en ce qui concerne donc Al-Amr Shar'i. Et qu'est-ce que on doit, ou comment on doit se comporter devant donc Al-Amr Shar'i, Al-Amr Al-Ilahi, Al-Hukm. Donc ça, l'enfant, il doit le connaître. Les gens du bien, les gens du mal, l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel a été le résultat, et que cela se répète. Car, Hawla Al-Khawarij, à chaque fois qu'il y a le chaos, ils reviennent. Dans chaque siècle, à chaque génération, ils reviennent au Khawarij. Il a Yom Al-Qiyamah. Jusqu'à que viendra le Dajjal. Et donc, à partir de là, qu'ils comprennent que de nos jours, ils sont présents. Hum Mujudun. Ils sont présents de nos jours. Et qui ils sont? Ces gens-là. Parmi eux, Daesh. Parmi eux, Al-Qaïda. Tous ces gens-là, ils ont le sifat donc des Khawarij. Et ce sont Al-Khawarij. Comme tous les savants de la Sunna ont fait Al-Bayan, ont fait donc l'éclaircissement sur leur statut, exactement et précisément. Barda Inch'Allah. Et à l'instar de Daesh ici, qu'est-ce qu'ils ont? Aujourd'hui, ce n'est pas une Dawla qu'ils ont, mais c'est une Isaba. Elle n'est pas Islamia, elle est Ijramiya. Yani, c'est une Isaba, un groupe assassin. Et ce n'est pas une Dawla Islamia, comme ils veulent le faire croire. C'est-à-dire donc un État islamique. On ne connaît d'eux aucune da'wa auparavant. Est-ce qu'ils sont connus pour avoir fait la da'wa ilallah azawajal? On ne connaît d'eux également aucun soutien, aide à la communauté musulmane, l'Ummatul Islamia. Et comme cela a été attesté à travers l'histoire, ils sont en réalité les points qu'on va citer ici. Premièrement, ils orientent leur effort dans la lutte contre la communauté. Tous leurs efforts, ils sont concentrés pour lutter en réalité contre qui? Avant tout contre la communauté musulmane. Yaqtulun ahl al-islam wa yada'un ahl al-awthan. Hakada. C'est comme cela que nous a également informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur sifat, al-khawarij. Également, ils sont la cause de stopper et de saboter la da'wa. À chaque fois, avec leurs actes criminels, avec leur croyance qui se répand malheureusement auprès de beaucoup de jeunes, ils sont la cause du sabotage de la da'wa ilallah azawajal. Ça également, c'est un des préjudices que les enfants doivent savoir, le résultat de leurs actions et de leurs croyances. Ils sont également la cause où ils font détester l'islam auprès des gens, avec leur acte, avec tout ce qui se manifeste d'eux, en réalité, ils font que les gens détestent l'islam. Également, ils privent les musulmans des biens et des richesses. Également, ça, c'est un point. Également, ils ouvrent les portes de la fitna contre la communauté. Yani, les ennemis de l'islam, ils trouvent une porte pour lutter contre le dîn, pour lutter contre les gens du bien, à partir donc de ce qu'ils ouvrent eux comme porte. Également, ils concrétisent en réalité les objectifs. Et donc ça, on pourrait dire, c'en est le résultat direct. Ils concrétisent les objectifs de qui? Des ennemis de l'islam. C'est pour ça qu'on va entendre que beaucoup de gens, ils vont dire, en réalité, qui c'est qui a mis en place Daesh? Ils vont dire que c'est les ennemis de l'islam qui ont mis en place ces gens-là pour lutter en réalité contre l'islam. Simplement, ils vont voir qu'est-ce qui va se passer à partir de ce qu'ils font et de ce qu'ils complotent, qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans. À la Kulihal, ça, c'est pas ça qui nous est important. Ce qui nous est important, c'est de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et qu'est-ce que doit être, ou comment doit être notre attitude et notre comportement par rapport à eux. Ensuite, toujours pour ce qui est donc de leur danger. Et donc l'enfant également, il doit comprendre, il doit savoir quel est le danger de cette secte-là.
Dans un premier temps, ils portent la haine contre les gens de la Sunna. Subhanallah. On voit que ces gens-là, comme cela est attesté, comme cela on peut le voir de nous-mêmes, par rapport à ce que l'on observe, c'est qu'ils ont une haine. Vraiment, ils portent une grande haine contre les gens de la Sunna, contre les salafis. Spécialement une grande haine contre les gens du Haqq. C'est pour ça que s'ils ont l'occasion, et comme cela s'est passé dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, ils tuent les salafis, ils tuent les croyants, sans hésitation. Et ils prennent même un plaisir à cela. Et ils prennent même un plaisir à rendre leurs femmes et leurs biens et leurs enfants comme étant des esclaves. Ayadan billah. C'est pour ça que leur mal, il est énorme. Leur mal, il est énorme. Et qu'il ne faut, pas avoir de pitié envers ces gens-là. Également, ils commettent des attentats dans les mosquées. Ça, on l'a vu. On l'a vu dans l'un des meilleurs pays de l'islam, qui est l'Arabie Saoudite, où ils ont tué dans la mosquée. Ils ont fait des attentats dans les mosquées. Et dernièrement, où ça? Et ça, c'est très important que l'enfant, il voit cela. Lui faire voir cela. Et lui faire comprendre cela. Le dernier attentat qu'ils ont fait, ou l'un des derniers attentats qu'ils ont fait, c'était à Médine, dans la ville prophétique. Comment, après cela, ne peut-on pas comprendre que ces gens-là, ils font partie des gens du mal, ils font partie des khawarij? Plus d'excuses. Et l'enfant, il doit savoir cela. La manière de faire cette approche, on a vu, tout le monde l'a vu, ou certainement la plupart, cette photo qui avait été prise donc au moment où ils ont fait cet attentat. Donc on voyait, c'était du temps du mois du Ramadan, c'était durant, donc les gens, ils étaient en Siyam, ou peut-être peu après la rupture du jeûne, à la kulli hal. On a vu donc cette fumée qui est montée. Donc regardez l'apaisement des gens de la Sunna, l'apaisement des croyants, leur ibadah, etc. Et on voit cette fumée qui a monté, qui est en total contraste avec cette image-là. Donc montrer cette image à cet enfant pour leur faire comprendre quoi? La vérité de ces gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc ça, c'est une image qui exprime réellement. Tu'abbir, elle exprime réellement la réalité de ces gens à travers leurs actes. Également, elle pratique des choses qui sont immondes. Même que la personne, avec son aqr, qui a une raison qui est saine, qui a une fitra, elle ne peut accepter. Sans rentrer dans les détails. Mais ça, de manière mujman, il faut que l'enfant également il le sache. Ils font des choses, subhanallah, qui sont terribles, alors que, et ça c'est connu de leur ancêtre, lorsqu'ils ont tué, vous savez pourquoi Ali ibn Abi Talib il a ensuite ordonné de combattre le Khawarij, c'est lorsqu'ils ont tué Abdullah ibn Khabbab. Et lorsque Abdullah ibn Khabbab il était voir la Aoula al-Khawarij, l'histoire qu'il y a eu, c'est qu'il faisait très attention à des choses qui étaient, on va dire, de moindre importance. C'est-à-dire lorsque ils ont vu une personne qui était en train de manger une tamr, c'est-à-dire donc une date des gens dhimmi, des gens qui étaient protégés donc, parmi les Nansara, les Yahoud, ils ont tout de suite réprimandé cela. Lorsqu'ils ont vu une personne qui a tué un cochon parmi les gens de dhimmi, ils ont également réprimandé cela. Mais ils n'ont pas hésité à tuer qui? Hadat Tabiri, As-Salih, Abdullah ibn Khabbab. Et ça, c'est connu chez eux. Ils vont faire preuve d'ascétisme, de peur, de crainte d'Allah Azzawajal sur des choses qui sont de moindre importance, mais les choses qui sont grandes, alors là, la yatawarra'un, abadan. Comme qatl al-mu'min, qatl al-salihin. Ça également, ça fait partie de leur danger, et également de leur sifat. De même, ils parlent de la religion, et au nom de la religion sans base. Yani bijjal. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les versions des hadiths qu'on a cités? Yad'ouna ila kitabillah wa laysa minhum bishay. Yad'ouna ila kitabillah wa laysa minhum bishay. C'est-à-dire ils appellent au livre d'Allah Azzawajal et ils ne font pas partie de ce livre-là. C'est-à-dire ils ne font pas partie des partisans de ce livre-là. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la plus grande preuve que ces gens-là, ils appellent à leur religion biljal. Et ils font des choses au nom de la religion biljal, bil-ignorance. Également, il dit le Nabi sallam, yaqra'una al-Qur'an, yahsibuna annahu lahum, c'est-à-dire donc, ils lisent le Coran et ils croient que le Coran il est pour eux, il est dans leur intérêt, ils prouvent ce qu'il dit, wa huwa alayhim,
et en réalité il est contre eux. Et en réalité il est contre eux. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est contre eux. C'est une hujja contre le Coran. Une preuve donc également qu'ils parlent bijal et que leur acte est contre eux à travers même le Coran, celui dont ils se revendiquent. Dont ils revendiquent appliquer le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'Ibn Hajar il disait que yata'awwaloun, c'est-à-dire ils interprètent le Coran suivant leur djel, à la ghayri muradi minhu, suivant ce qu'ils n'indiquent pas le Coran. Et également un point qui est important chez eux et qui est souvent répété, et c'est à partir de là qu'ils font leur lance, hein, c'est-à-dire leur lutte, c'est que ils vont parler du al-hukm ghayri ma anzalallah al-hakimiyya. Alors cela, c'est ce qu'ils vont avancer à chaque fois, al-hukm ghayri ma anzalallah, pour faire bien entendu le takfir des gouverneurs, pour faire le takfir des musulmans. Il y a même des gens de science qui faisaient partie, vous savez, en Arabie Saoudite, il y a ce qu'on appelle l'ajnatu al-munasaha. C'est quoi ce l'ajna? C'est le gouvernement en Arabie Saoudite qui a mis en place donc un comité de gens qui vont prodiguer le bon conseil. C'est quoi leur rôle? C'est des gens de science. Et parmi eux, le cheikh Souleymane al-Rouhaili, il lui raconte beaucoup de choses par rapport à cela, c'est-à-dire des mortifs qu'il a. Et donc il explique que donc, leur rôle c'est quoi? C'est des gens qui sont tombés dans les filets des Khawarij, d'aller vers eux, de leur donner des conseils, d'essayer de les faire revenir à leur haq. Donc vous voyez, ça c'est la rahma min ahli sunnah wal jama'a. C'est-à-dire avant même yani, de les condamner définitivement, il va avoir ici quelque chose qui est mis en place pour essayer de les faire revenir au haq. Et par des gens qui sont habilités, des gens de science, des ulamas. Et il disait donc que beaucoup parmi eux, ils voyaient que le fait, regardez bien, regardez le djal, de le fait donc d'appliquer des règles ou des qawanin, c'est-à-dire des lois comme al-murur, donc ce qu'on appelle le code de la route, etc., etc. dans les pays musulmans, ça faisait partie du hukm ghayri ma anzalallah. Également, al-jansiyat, le fait aujourd'hui il y a des états et que chaque état donc, il y a des nationalités et que chaque nationalité va dépendre de son pays, etc. Ça également, ça fait partie du hukm ghayri ma anzalallah. Et donc la personne qui va appliquer cela, il est kafir. Et c'est des gens qui se prenaient pour des imams et pour des ulamas fi hadha al-bab, et qu'ils avaient compris mieux que tout le monde. Et lorsque donc ces gens de science, ils leur rapportaient les versets du Coran en leur expliquant, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient hadha min al-mutashabiha. Ça fait partie des mutashabiha. Ça fait partie des versets qui ne sont pas clairs. Et ces versets qui ne sont pas clairs, bien entendu, dans notre compréhension, on doit les ramener à des versets qui sont clairs. Alors qu'ils étaient eux-mêmes des versets qui étaient dits muhkam. Et s'ils ramenaient des paroles des savants, qu'ils expliquaient donc ces versets, etc., alors automatiquement, ils disaient, ces savants-là, c'est les savants du sultan, c'est les savants du mukayifat, c'est-à-dire qui restent dans leur salle climatisée, et même ceux qui les rendaient, bien entendu, et beaucoup pour eux, qui les rendaient koufars. Même il disait qu'il entendait le chien, il entendait parmi eux ce qui disait directement l'arnatullah ala aoula al-kafir. C'est-à-dire que la malédiction soit sur ces mécréants. Ça c'est al-khawarij. Ça c'est le résultat de leur voix. Également, parmi les points de leur danger, c'est que yufarriqoun, c'est qu'ils divisent leur religion. C'est-à-dire donc qu'ils vont faire passer les terres d'islam pour des terres de kufr. Et la terre où eux ils sont pour la terre de l'islam véritable. Là où il faut revenir. Et c'est ce que font aujourd'hui Daesh. Daesh pour eux, leur terre où ils sont en ce moment, c'est la terre où l'islam est appliqué, c'est la terre où l'islam véridique et véritable est appliqué. Et que tout le reste c'est Dar al-Harb ou al-Kufr. Et que yad'un taban ila al-hijra ilayhim, c'est-à-dire ils appellent les gens à faire la hijra vers eux et de ne pas rester donc fi bilad ou fi dar al-kufr ou al-harb. Et ça a été de tout temps la voix des khawarij. Les premiers c'était pareil. Lorsqu'ils se trouvaient à Haroua, ils appelaient les gens à eux, etc. Donc ça c'est leur voix qui est habituelle.
Et c'est pour ça que Al-Hassan, il rapporte, rahimallah, Al-Hassan al-Basri, il rapporte donc que lorsque ceux qui ont tué Othman se sont réunis, il y a une voix d'une femme qui s'est élevée et qui a élevé un Coran et qui a dit « Laqad bari'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimman farraqa dinahu wahtazab wahtazab » C'est-à-dire, elle a dit, et cette femme-là, c'était qui? C'était notre mère, Umm Salama. Elle leur a dit, Haoula al-Khawarij, elle leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ceux qui ont divisé dans la religion et qui se sont donc divisés en groupes, Ihtazab. Ils sont venus donc des groupes. Et parmi donc, Haoula al-Khawarij. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait, Umm Sammudara'um dar al-Hijra. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait par rapport donc à Al-Khawarij, ils ont appelé leur terre, la terre de l'exode, de la hijra. Wa ja'alu dar al-muslimin dar al-kufr. Dar kufrin wa harb. Ils ont cité ou ils ont placé la terre des musulmans comme la terre donc de la guerre et la terre de la mécréance. Également parmi leurs dangers, ils font la tasqiya d'eux-mêmes. Donc ils disent qu'ils sont eux les meilleurs, et ceux en réalité qui sont meilleurs qu'eux, ils les dénigrent, ils les insultent. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que Naam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit qu'il croit que ce sont eux qui sont accrochés au mieux au Coran, mutamassikun bil Coran wa Sunnah. Dans ce sens-là, il croit donc qu'ils sont les véritables muahidin. C'est eux les muahidoun, les monothéistes purs, qui ont appliqué le tawhid pur. Et c'est eux qui secourent réellement le tawhid. Et tous les autres, ils le nient pour tous les autres. C'est-à-dire tous les autres qui ne sont pas avec eux, alors ces gens-là ne sont pas de véritables muahidoun, et ces gens-là ne viennent pas au secours du tawhid. Et le tawhid auprès d'eux, c'est quoi? C'est le takfir sans science et sans preuve. C'est ça le tawhid auprès d'eux. C'est à longueur de journée la question du takfir. C'est ça. Al-wala wal-bara, pour eux, c'est la question du takfir. Si tu fais le takfir de ceux qu'on a fait le takfir, tu es avec nous. Sinon, tu n'es pas avec nous. Et tu es comme nous. Parce que tu n'as pas fait le takfir de ceux sur qui le takfir a été appliqué. Donc, le tawhid pour eux, c'est le takfir sans science et sans preuve. Et la concrétisation du tawhid pour eux, c'est le takfir des gouverneurs sans exception, les insulter, les désigner et faire le takfir de tous ceux qui n'ont pas leur avis. Ça, c'est la concrétisation du tawhid auprès de qui? De Khawarij. Également, un cheikh qui disait et qui citait, il disait qu'il avait vu également une personne, parmi ceux qui étaient tombés donc, dans les filets des Khawarij du takfir, il avait rencontré une personne qui n'avait cessé d'élargir le takfir jusqu'à qu'il faisait le takfir de lui-même plusieurs fois par jour. Et donc quand il avait été le voir, il lui avait dit, Yachir, moi je suis fatigué de faire le rousse plusieurs fois dans la journée. Pourquoi il faisait le rousse plusieurs fois dans la journée? Parce qu'il faisait le takfir de lui-même. Il faisait le takfir par rapport à des pensées qu'il avait, par rapport à des paroles qu'il disait, il croyait qu'il était tombé dans le kufr akbar. Donc à chaque fois, il faisait le rousse de lui-même, car il voyait que il fallait qu'il revienne à l'islam et qu'il refasse la shahada. Regardez donc cette maladie jusqu'où elle peut amener. Parce que là, on est réellement dans un cas maladif. On est dans un cas maladif ici. Même si c'est un cas extrême, mais cela arrive à cela. Ces gens-là également, ils ne respectent pas Al-Ahd. C'est pour ça que parmi les sahaba, ceux qui appliquaient ce verset, Alladhina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqihi. Ce verset-là, c'est-à-dire ceux qui coupent et qui ne respectent pas le pacte d'Allah Azzawajal, après donc qu'il a été contracté. Ce verset-là, les sahaba, ils l'appliquaient sur qui? Sur le Khawarij. Car ces gens, ils sont connus pour ne pas respecter le pacte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du temps des sahaba? On l'a vu auparavant, ils ont tué Othman. Ou Ali. Alors que Ali, radiallahu ta'ala anhu, lui, il avait fait l'ihsan par rapport à ces gens. Rafa anhu. Il leur a pardonné, il a fait l'ihsan par rapport à eux.
Le résultat, et quel a été le rap de ce Yahsan, c'est qu'ils l'ont tué. Ici, un point donc, qui va être important par rapport à leur danger, et qui rend donc ici réellement, on va dire, il y en a totalement dans le sujet de la protection des jeunes. Donc tout cela, il faut le savoir. Si nous-mêmes, en tant que parents, on ne connaît pas cela, de ces gens-là, comment on va mettre en garde nos enfants? Comment on va leur expliquer cela? Donc, bien entendu, ici, tout ce qu'on a cité, c'est pour le savoir et ensuite pour yani, le propager, l'inculquer. Naam. Parmi donc leurs dangers, c'est qu'ils concentrent leur dawa envers les jeunes, ceux qui sont d'un jeune âge. Et plus particulièrement, les jeunes filles. Ils ont même, ces gens-là, ils ont des junoud, c'est-à-dire ils ont des armées, et on va le voir donc, on va un petit peu, on va détailler Inch'Allah, ils ont des armées qui font ce travail-là. Essayer de trouver des jeunes, et surtout les jeunes filles, pour pouvoir les ramener dans leur filet. Car eux, ils jouent sur les sentiments. Et la femme, on sait, la fille, la femme, elle est beaucoup sentimentale, beaucoup plus sentimentale que l'homme. Et donc eux, ils jouent sur cet aspect psychologique. Et comment donc ils vont faire pour s'approcher d'eux? Donc ça, c'est important à savoir et à comprendre. Comment ils vont s'approcher des jeunes? Ici, on va parler de Al-Wasa'il Wal-Asalib. Al-Wasa'il, qui est le pluriel de Wasila, Wal-Asalib, qui est le pluriel de quoi? De Usloub. Qu'est-ce que Al-Wasila? Donc Al-Wasa'il, c'est ici yani, l'outil d'approche. C'est l'outil d'approche. Donc c'est un outil qu'on va utiliser pour approcher la personne. Taïb, ça c'est Al-Wasila. Donc on part de Al-Wasa'il. Wal-Asalib, qui est l'Usloub, c'est la manière et la méthode qu'on va utiliser pour approcher cette personne. Donc on voit qu'il y a une différence. On va utiliser un outil, Taïb, qui va nous permettre de se rapprocher de la personne, et ensuite on va utiliser une méthode pour pouvoir donc le ramener à nous. Donc on voit qu'ils utilisent bien entendu le wasa'il ou l'asalib. Parmi le wasa'il, donc pour faire la différence, parmi le wasa'il, les moyens, ils vont utiliser donc de nos jours l'internet. Ou alors, ce qui va être utilisé, c'est la fréquentation directe. Al-musahaba, al-murafaqa. La fréquentation directe. Également les livres. Peut-être beaucoup moins, mais également les livres. Et également tout ce qui va être support donc d'Araoui, comme les cassettes, comme les vidéos, etc. Donc tout ça, c'est des wasa'il qu'ils vont utiliser. Même certains, ils utilisent les jeux de combat. Parce que vous savez, il y a certains jeux de combat qu'on peut jouer en ce qu'ils appellent en... Naam. En réseau, naam, c'est-à-dire avec plusieurs personnes, hein, le terme anglais s'appelle, ils disent ça multiplayer, c'est-à-dire en réseau avec plusieurs personnes, multijoueurs, voilà, ils appellent ça multijoueur. Et donc eux, ils vont rentrer dans ces jeux de combat, justement, en plus c'est propice, tu vois, quelqu'un ou un jeune qui aime les jeux de combat, etc., ils vont rentrer dans les jeux de combat, taïb, jouer à ces jeux-là, ils vont commencer à établir un lien avec celui qui joue avec lui. Et parmi et ceux qui sont derrière eux, Al-Khawarij. Donc regardez jusqu'où ils vont. C'est-à-dire que vraiment, ils utilisent beaucoup de moyens ici. Beaucoup de moyens pour arriver aux jeunes. Lorsqu'on parle donc de l'Internet, il y a bien entendu les réseaux sociaux. Le Facebook, que ce soit le Twitter, que ce soit tout ce qui est utilisé, yani de nos jours, comme réseaux sociaux. Ils mettent leur filet de manière générale et ensuite, lorsque ça commence à prendre, ils vont aller de manière plus intime et avoir donc un contact beaucoup plus intime avec la personne, que ce soit par les conversations directes qui sont présentes à travers les lettres qu'on peut envoyer directement, à travers même ces réseaux sociaux, ou alors qu'ils vont prendre encore d'autres programmes pour pouvoir parler à la personne. Et comme j'ai dit, ils passent beaucoup de temps sur cela. Ils utilisent beaucoup de gens qui sont spécialisés dans l'utilisation de ces moyens. Ensuite, on a vu la fréquentation. Donc, la personne
elle doit faire très attention. Le père, la mère, elle doit faire très attention à l'internet. Très, très attention. On verra, fitouluq al-himaya. Et parmi ce que, yani les conseils que donnent certains chiours ou certaines personnes de hikma, c'est de mettre par exemple l'accès à l'internet, yani dans la pièce qui est fréquentée par tout le monde. C'est-à-dire de ne pas laisser l'enfant avec l'internet, s'il l'utilise, dans une pièce où il est seul. C'est-à-dire, lorsque tu mets donc ton ordinateur, ou ce que tu vas utiliser donc pour avoir accès à l'internet, lorsque tu mets dans la pièce où tout le monde, par exemple dans le vestibule ou alors dans le salon, yani que tout le monde puisse avoir, peut voir yani ce qui se passe, les parents, etc. Taïeb. Donc ici, ça c'est leur wasa et les moyens qu'ils utilisent. Également la fréquentation. Al-murafaqa, al-musahaba. Et tout le monde connaît le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنما مثل الجالس الصالح والجالس السوء. C'est-à-dire, ici le prophète il va donner une parabole. Comme le compagnon de bien, كمثل حامل المسك. Comme celui donc qui vend et qui porte le misk. ومثل نافخ الكير. C'est-à-dire le forgeron. Donc on voit ici que le prophète sur Salam, il a donné quoi? Une belle parabole. Entre Al-Jalis Al-Salih ou Al-Jalis Al-Sou. Fahamil al-Misk, imma an yuhdiyak. Imma an yuhdiyak. C'est-à-dire donc, peut-être qu'il va te donner, yani yu'tik, hadiyatan. Il va te donner de son misk. Wa imma an tabta'a minhu. Ou alors tu vas acheter de lui. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Ou alors que tu vas trouver de lui une bonne odeur. Donc tout ceci, c'est pour dire que le jalis salih, c'est quelqu'un qui sera profitable pour ton enfant. Ou mathalu jalis sou, donc, celui qui est le compagnon du mal, c'est comme le forgeron. Donc soit il va te brûler tes vêtements, ou soit tu vas sentir de lui, et tu vas avoir une mauvaise odeur. Et ici, dans cette belle parabole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un point qui est important. C'est-à-dire certains parents... Comment il voit ce Jalis al-Salih ou Jalis al-Sou? Le compagnon bon et le compagnon mal. Du mal, ou le mauvais compagnon. Eux, ils voient la personne qui est multazim, tayyib, il a l'ahya, multazim, en apparence, il va à la prière, il va à la mosquée, tayyib, il parle de dîn, il parle de religion, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne va pas avec les filles, etc. Yani, vahiru al-iltizam. Vahiru. Al-Iltizam. Wa sahib al-Sou, tayyib, c'est celui qui boit, celui qui vend de la drogue, celui qui fume, celui qui va avec les filles, etc. Donc c'est souvent cette image qui est donnée. C'est véridique, c'est vrai de toute manière. Mais ce n'est pas suffisant. Car combien, justement, et c'est là qu'eux, ils interviennent, al-Da'ishiya, wal-Khawarij, wal-Takfiriya, c'est là qu'ils interviennent. C'est-à-dire, toi, tu vas laisser ton enfant avec une personne qui, en apparence, elle est iltizam, sans que tu connaisses rien de cette personne-là. Que ce soit une personne qui soit, pour toi, complètement, il y a un majhoul. Une personne qui est inconnue, dont tu ne connais rien de lui. Mais tu dis, c'est bon, mon fils, il est avec cette personne, bahirul, elle est iltizam, elle umur tayyiba. Mais en réalité, tu ne sais pas que cette personne-là, elle porte de les afkar de Daesh. Elle porte les afkar du takfir. Elle porte les afkar de khawarij. Et lui, il va commencer, à ce moment-là, à entraîner ton fils, à le polluer avec cette idéologie facile, néfaste. Et donc, c'est pour ça que la responsabilité également des parents, qu'ils savent avec qui va leur enfant, avec qui il reste. Et que si cette personne, c'est une personne multazim, qu'il connaisse son ménage, qu'il connaisse si c'est une personne qui est sur la voie de la sunna, que c'est une personne qui est salafi. Ça, c'est également très, très important. Et beaucoup de gens, beaucoup de parents sont fait avoir à cause de cela. Eux, ils ont eu certainement cette image. Également les livres. Donc on a vu le Musahaba parmi les moyens, et également les livres. Donc sache ce que va lire ton enfant et donne-lui les livres qui correspondent.
et qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Ne nous donne pas des livres qui portent, des livres qui portent en eux l'idéologie des Khawarij. Car beaucoup de parents, ils vont ramener un livre sur le din. Yani, c'est un livre sur le din. Alhamdulillah, il va parler de cela et de cela, sans qu'il rentre réellement dans le fond du sujet, dans le vif du sujet. Et il va donner en réalité un livre à son fils, où lui, bien entendu, avec ce qu'il va lire et avec ce qu'il va comprendre de ce livre, donc directement, et les afkar qui sont ici traités, et donc donné à travers ce livre, il va prendre donc l'afkar des Khawarij. Comme par exemple le livre de Sayyid Qutb. Les livres de Sayyid Qutb, ces livres qui sont remplis de l'appel au menhaj, à la voix des Khawarij. Donc la personne, peut-être qu'elle va donner ce livre, elle va dire, c'est un auteur, il parle de religion, vas-y mon fils, apprends et tafaqqa fi din. Et ensuite il arrive, ma yahsul wal masaib. Et tous les livres donc qui sont dans cette lignée là, les livres bien entendu qui sont évidents, des takfirim, également les livres où il y a matsousa, c'est-à-dire des livres où il y a le poison mais qui est caché et qui n'apparaît pas directement mais que l'on va retrouver à force de lecture avec un procédé linguistique, etc. Comme les, il y a la plupart des livres des Ikhwan al-Muslimin. Également donc les cassettes, les audios des personnes égarées. Donc tout ça, ça rentre dans Al-Wasaïd. Donc la personne, elle doit avoir ici donc un œil particulier sur tout ce que son fils il va utiliser et comment il va l'utiliser. Ensuite, Al-Asalib. Donc maintenant, on va parler de la méthode qu'ils vont employer à travers donc ces Wasaïd. Eux, ils vont principalement employer ce qu'on appelle nous Al-Atifa. Ils vont prendre la personne bil atifa. Laissa bil ilm al-shar'i sahih, parce qu'ils ne l'ont pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? S'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas donner ce qu'ils n'ont pas. Mais ils vont appeler les gens avec al-atifa, avec le sentiment. Et ici donc, il va venir leur procéder. Dans un premier temps, ils vont culpabiliser. Ils vont culpabiliser le jeune ou la personne de façon générale. Ils vont la culpabiliser. Ensuite, ils vont le mettre devant sa responsabilité. Le culpabiliser, ils vont d'abord lui montrer, donc, ils vont utiliser tout ce qui est des conflits actuels, tout ce que le monde musulman il vit comme injustice. Donc à travers les photos des enfants tués, à travers les vidéos, etc. Donc ils vont lui montrer ça. Ça va être un choc pour l'enfant, surtout en plus pour l'enfant. Imaginez-vous un enfant qui voit ça. Ensuite, une fois qu'ils lui ont fait voir ça, ils vont le culpabiliser. Ils vont lui dire, yani, que toi tu dors bien, toi tu manges bien, et regarde tes frères ce qu'ils subissent. Regarde ce que subissent tes frères. Alors toi, anta bi khair, anta fi amn, anta bi raha, etc. Donc, regardez, ils vont culpabiliser, ils vont faire culpabiliser la personne. Après qu'ils l'ont culpabilisé, ils vont le mettre devant sa responsabilité. Ils vont dire, toi, tu es responsable, en fait, de ce qui se passe, si tu n'agis pas. Et ils vont commencer à dire que Al-Nusra, donc on va revenir également sur ce qu'on avait dit au départ, Tawvif Al-Alfa de Sharia, le Muradim Al-Batil. Donc ils vont dire, Al-Nusra, c'est quelque chose d'obligatoire, Fard Al-Aïn. Al-Nusra, Fard Al-Aïn. Lakin, qu'est-ce qu'ils veulent par Nusra? Ils veulent donc faire venir les gens et les endoctriner dans leur idéologie. Donc ils vont dire, nous ça va, c'est wajiba, donc c'est obligatoire. Et si tu ne le fais pas, tu vas juger devant Allah Azzawajal. Donc regardez, ça c'est le usloub qu'ils utilisent avec les enfants. C'est un usloub qui est peut-être basique, mais qui est bien souvent, Wallah Musta'an, yani najih, qui apporte des résultats avec ces jeunes. Qui sont, comme on l'a dit, des jeunes qui n'ont pas appris, qui sont le plus souvent ignorants. Et donc, yastadun haoula. Ils les prennent comme proie. Et bien entendu, une fois qu'ils sont tombés dans leur filet, et une fois qu'ils ont fait la hijra auprès d'eux, ce qu'ils appellent entre parenthèses la hijra, donc également, regardez encore un terme qu'ils utilisent, yani dans le faux, alors à ce moment-là, ils vont lui prendre son passeport, ils vont lui dire soit, si l'enfant il s'aperçoit, ou si le jeune il s'aperçoit du dalal dans lequel il est tombé,
ils vont lui dire soit tu sharikuna fil batil, yani tu t'associes avec nous dans ce qu'on est en train de faire comme batil, même s'ils ne le disent pas directement, hein, batil, mais c'est le waqir, ou alors sanahkum alayk birridda, c'est-à-dire on va te juger comme étant un murtad, et donc on va t'exécuter, ou alors yani peut-être au meilleur des cas l'emprisonner. Et également, ce qui rentre donc dans cela, yani pourquoi ils sont arrivés donc à ces jeunes-là, qu'ils étaient ignorants. Ils vont également, donc ça ce qu'on l'a dit, on le répète, parce que c'est un point qui est fondamental, les frères. Wallahi, c'est un point qui est fondamental. C'est ce qu'ont fait les premiers khawarij avec les sahaba. C'est-à-dire qu'ils vont les couper des grands savants, des savants de la sunna, des savants de l'islam, des savants salafis. Ils vont les couper de ces savants-là. Soit donc, directement en les discréditant, car ils savent que une fois que l'enfant il va être coupé du savant, c'est une proie qui est facile. Jahil, yabouka jahil. Il n'apprendra pas la science authentique. C'est terminé, il a coupé le lien. Il l'a coupé. Donc pour lui, l'affaire elle est bonne. Il a devant lui une personne, hein, qui, il y a un terrain qui est vierge pour lui. Pour donc, yabouth afkarahu, pour qu'il répande donc son dalal et son idéologie. Et si on parle du savant et la place du savant, ce n'est pas pour rien. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a rappelé le fable des ulama. Il a rappelé quoi? Le bienfait des savants et leur mérite des savants. Et pourquoi il a fait cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi dans ce hadith, lorsqu'il a dit que les envoyés, les prophètes, l'anbiya, il ne donne rien en héritage comme bien. La yuwarithun dinaran wala dirhama. Mais il donne comme héritage la science. Et celui qui va prendre de cette science-là, il va prendre une grande part. Hadhun wafir, une grande part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné également la parabole dans les hadiths authentiques que le savant c'est comme Al-Qamar, Laylatul Badr, comme Al-Qamar lorsque c'est la pleine lune. Et pourquoi il a comparé, ou pourquoi il a donné ce fable et ce mérite? Et dans le hadith, le premier hadith que j'ai cité, c'est plus que clair. Car cet héritage qui a été donné, c'est la science. Et que si on coupe la personne de ces savants, donc qui sont Al-Firqatul Najia, Taifatul Al-Mansoura, si on coupe donc la personne de ces savants, c'est terminé. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'on va nous dire, non, mais il y a des livres, il y a des livres qu'on peut lire, etc. Et la science, elle n'est pas anglaise s'il n'y a pas des savants. Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azawajal ne va pas enlever la science min soudour al-ulama. Inna Allah la yantazi'u al-ilm min soudour al-ulama, intiza'an. C'est-à-dire qu'il va enlever la science en enlevant les savants. Hatta idha lam yubqi aliman. Fi riwayatin idha lam yabqa alimun. S'il ne reste plus de savants, ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Les gens, ils vont prendre qui? Des ignorants. Ils vont prendre des ignorants pour qu'ils soient à leur tête et pour qu'ils leur donnent des fatwas. Et donc on va leur demander, ils vont faire des fatwas sans science, ils vont s'égarer et vont égarer les gens. Donc regardez, ici c'est plus que clair. C'est pour ça que lorsqu'on parle des savants, ce n'est pas pour rien. Et lorsqu'on dit revenez aux savants de la sunna, ceux qui sont connus, ce n'est pas pour rien. C'est justement ici, min bab al-himaya, ba'dallah azza wa jal. Min bab al-himaya, hada min turuq al-himaya. C'est pour ça que ton fils, ton enfant, ta fille, en grandissant, il faut que tu leur apprennes qui sont les gens de la sunna, les savants de la sunna. Tu leur donnes les noms, tu leur donnes leurs livres, tu leur fasses écouter leur audio, leur cassette, etc. Qu'ils savent de qui ils vont prendre la science. Et comme ça, donc, tu vas les protéger de Ha'oula, que eux, ils cherchent donc à couper à tout prix ce lien qu'il y a entre la personne, entre le jeune particulièrement, et les savants, ou qui pourrait y avoir. Un point qu'on va citer
et qui est important. C'est-à-dire que la responsabilité, elle incombe donc aux savants de la sunna. Walhamdulillah. Ulama'una, nos savants, ils n'ont pas qassaru. Ils ont fait un bayin qui est wafi. Ils ont fait un éclaircissement, une clarification qui est plus que complète concernant ces groupes-là. Et qu'ils les ont nommés, que ce soit Daesh, que ce soit le Qaïda, etc. Ma qassaru. Wa jazamullahu khairan. Et qu'Allah Azzawajal les récompense en bien. Et c'est leur responsabilité. Naam. Par contre, ceux qui ne parlent pas sur cela, ceux qui sont comptés parmi des gens de science et qui disent rien par rapport à ces groupes, alors ils ont leur responsabilité. C'est pour ça qu'on va en voir certains, ils vont parler sur beaucoup de choses, sur des mots qui sont bien moindres que ce mal des Khawarij. Et lorsqu'ils vont arriver à la question de Daesh, etc., ils vont parler, allez, on va dire de manière générale, ou alors avec des termes yahtamil hada ou hada, c'est-à-dire qu'on peut comprendre comme ça ou qu'on peut comprendre comme cela. Ou alors certains qui ne parlent pas du tout. Jamais on les a entendus faire un bayan sur ces groupes-là. Que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, etc. Et bien entendu, les Shebab, qu'ils les connaissent, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si ce groupe-là, si ces gens-là, c'était des gens du mal, ils auraient parlé. Mais, vu qu'il n'a pas parlé, ici donc, ils vont tomber dans cette chouboie. Et donc, ils ont leur responsabilité. C'est pour ça que nos savants, wa walillah alhamd, et les savants de la sunna, ils ont fait un bayan qui est wafi, et qui est kafi, bi'idhnillah. Tayyib, pour ce qui est donc de turuq al-himaya, donc protéger ses enfants par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, même si également on a expliqué durant at-tarh, la première chose c'est at-tarbiya wal-ilm, c'est-à-dire d'éduquer ses enfants et d'enseigner ses enfants. Il faut que tu leur apprennes les bases de la religion. Il est clair que tu ne vas pas parler de ces points-là si tu n'as pas parlé auparavant un minimum de base dans la religion, ce qu'est le tawhid, ce qui est la sunna, tout ce qui rentre dans les bases de la religion. Donc ça, certes, c'est ta responsabilité. Et bien entendu, lorsqu'on va parler de la croyance, lorsqu'on va parler de al-haq, al-umur tatabayyan bi-dibbiha, c'est-à-dire également, on va montrer ce qui est son contraire. Car comme on a dit, l'enfant, lui, il voit le bien, il voit le mal, il voit ce qui est contraire à ce... Et ça l'aide à comprendre. Également, al-rujou' ila ahli al-ilm, comme on l'a expliqué donc. Ça également, ça fait min turuq al-himaya. Tu ramènes donc tes enfants, tu fasses connaître à tes enfants les gens de science. Et regardez Ibn Abbas. Vous connaissez tous. Et vous savez tous que Ibn Abbas, quand Al-Khawarij ils sont sortis, il ne les a pas laissés comme ça, Ibn Abbas. Il a été les voir. Et il a été discuté avec eux. Et vous savez, eux, ils ont rapporté leur chouboîte. Il a répondu à ces chouboîtes. Ils ont été dire que il avait, yani Ali, il avait appliqué le jugement des hommes, et bah celui d'Allah, il n'y a hukmu illa lillah, donc ils ont rapporté cette chouboîte, et ensuite il a répondu par des versets du Coran, Ibn Abbas, concernant que dans le Coran, on a l'application donc de Ahkam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a remis aux gens, il a remis aux hommes, tayyib, comme le fait donc qu'il y a un shiqaq entre un mari et sa femme. On va envoyer un hakam. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Qui va juger, avoir de la hikma, et qui va venir pour essayer d'arranger les affaires de sa famille à lui et de sa famille à elle. Tayyib. Ensuite, il aura également parlé par rapport au fait que Amir al-Mu'minin n'a pas écrit, ou il n'a pas cité comme étant Amir al-Mu'minin. Il a répondu que le prophète il a fait de même. Fi al-Hudaybiya. Al-Hudaybiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu écrire Yani min Muhammad Rasulillah, les mouchikis ne nous ont pas voulu. Nous ici, on savait que tu étais Rasulillah, on n'aurait pas, on t'aurait pas combattu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ici al-Maslaha ou al-Surh, il n'a pas cité son nom. Donc également, il a répondu à cela. Il leur a fait comprendre leur ignorance. Et il y a plus de 2000 parmi les Khawarij qui sont revenus avec Ibn Abbas, qui sont revenus donc sur le Haqq. Tayyib. Également,
Et ça, donc, on a dit qu'on allait y revenir. Apprendre. Donc, on a parlé donc de science également. C'est apprendre aux enfants les vrais termes qui sont employés dans la religion, qui reviennent beaucoup. Comme par exemple, le djihad. Donc, on sait qu'auprès des khawarij, qu'est-ce que c'est le djihad? Le djihad, c'est le terrorisme. Le djihad, c'est tuer les innocents. Le djihad, c'est rendre les gens, yani, kuffar, et ensuite les tuer, etc. Donc, montrer réellement ce que c'est le djihad. Et regardez, le khawarij, Jaïman, Aoula, que ce soit Daesh, etc., lorsqu'ils parlent du djihad, ils viennent avec le fable du djihad. C'est-à-dire, ils viennent avec le bienfait du djihad. Mais lorsque on en vient donc à expliquer et connaître le djihad à travers ses conditions, etc., là, ils se taisent. Car ils savent que parmi les conditions qui sont citées par les gens de science, ce qui va à l'encontre d'eux, parmi les conditions, c'est qu'un djihad, il ne peut être fait qu'avec l'accord d'un gouverneur, un wali al-amr, et que cela est fait sous wali al-amr. Donc, cela, bien entendu, il n'en parle pas. Donc, il est également ici important d'apprendre aux enfants ces termes-là, qui reviennent beaucoup dans leur religion, qui sont employés par ces manharifines, par ces égarés. Donc, comme le djihad, qu'est-ce que le djihad réellement dans la religion? Et quel est son but? Et quelles sont ses conditions? Même si c'est que ce soit une explication qui soit facile à comprendre. Également le tawhid, également l'amr bil ma'ruf, également le terme tarout, qu'est-ce que le tarout, etc. Et on va pas rentrer dans toutes ces choses là, mais ici bien entendu c'est pour montrer qu'est-ce que il faut apprendre à nos enfants. Également, comme on a dit, le murafaqa ou le muraqaba, yani que tu saches avec tes enfants avec qui ils vont et que tu choisisses pour tes enfants al-jalis al-salih ka hamil al-misk. Également al-hirs, tu fasses très attention d'éloigner tes enfants de la fitna, de toi-même tu t'en éloignes, et d'éloigner tes enfants de la fitna. Ça également, c'est quelque chose qui est très important. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Men samira ad-dajjal, celui qui va entendre le Dajjal, qu'est-ce qu'il va faire? Yabta'il anhu. Celui juste qui entend le Dajjal s'éloigne de lui. Parce que le Dajjal, on sait, c'est ce qui représente toutes les shubuhat. Toutes les shubuhat dans la religion. Il va venir avec des grandes shubuhat, le Dajjal. Et même celui qui a mis la confiance en lui-même, qui voit que lui, il a la capacité, qu'il a la science, qu'il a l'hymen pour affronter le Dajjal, il se mettra donc dans un grand péril. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à tout le monde, « Men yukhatib, yukhatib al-sahaba, yukhatib al-sahaba, yakul men samira al-dajjal, celui qui va entendre le Dajjal alors qu'il s'écarte de lui. » Donc elle bourde en el-fitna. Et également un point qui est important, c'est « rabt al-walad bil-akabir », c'est-à-dire relier l'enfant aux grandes personnes. Et lorsqu'on dit l'akabir, bien entendu, il est venu dans la sunna, al-baraka ma'a akabirikum. Yani, al-baraka, elle est avec vos rangs, yani vos personnes qui sont grandes, qui sont âgées. Quels sont les akabir? Ils sont de deux sortes. Il y a la personne qui fait partie des gens de science. Donc cette personne, même si elle n'est pas âgée, mais qu'elle a beaucoup de science et qu'elle est sur le droit chemin, il fait partie des akabir. Yani, dont on doit établir un lien avec l'enfant. Ou alors, s'il est encore plus âgé, alors ça c'est un fadl, bar del fadl. Alors c'est encore un plus grand fadl. Ou alors, les personnes âgées. Les personnes âgées. Car comme on dit, les personnes âgées, même si elles n'ont pas une grande science, ou elles sont ignorantes de beaucoup de choses, la personne qui a vécu, qui est âgée, il a une certaine hikmah. Ta'allama min al-dunya al-hikmah. Donc il a appris une certaine sagesse de cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça que Aoula al-Khawarij, c'est aussi parmi donc leur méthode, c'est qu'ils coupent également les liens avec les grandes personnes. Parmi yani, les oncles, avec le grand-père, etc. Bien entendu avant cela, avec le père, avec le grand-père, avec les oncles, tout dans le cocon familial, ce qu'il y a autour parmi les grandes personnes, et qui donc peuvent donner un nasiha pour l'enfant, eux également, ils cherchent à le couper. C'est pour ça que si tu vois ton enfant qui commence à s'éloigner du père, de la mère, des oncles, des grandes personnes, etc., il commence à s'éloigner, à s'isoler, alors sache que cela, c'est un point qui est dangereux.
un point qui est très dangereux. Ala kulli hal, d'autres choses à dire sur ce sujet. Ça fait combien? Ça a une darse. Inch'Allah, naktafi bi hadha al-qadr. Wa nasal Allah azza wa jal an yahmiyana wa yahmi awladana min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa nasal Allah azza wa jal at-tawfiq wa s-sadat fi d-dunya wa l-akhira. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.